Antoine, faisons un petit mot. On accumule les sensations en ce moment, c'est incroyable. Oui, mais cette année, c'est le 150e anniversaire du Radé Sablonnais, donc on ne pouvait pas être mieux récompensé pour un petit haras qui, quand même, qui dure, qui a la peau dure. Donc d'avoir des succès, on a gagné la première sous les couleurs du haras, et là on gagne en tant qu'éleveur avec ce cheval. C'est un cheval qui est quand même très très courageux, il fait quelque chose d'incroyable, quel finish. Oui, il court sur des bronzes différents, ça ne l'empêche pas de gagner, il est monté aussi par des jockeys différents, ça ne l'empêche pas de gagner. C'est un vrai cheval de course, on se demande où est-ce qu'il peut s'arrêter. Il faut le suivre peut-être lors d'un prochain dimanche de Grand Prix, parce que qu'est-ce qu'on peut imaginer comme suite de programme là? Ben, je crois que son entourage est assez tenté par l'international, mais je crois que l'Art de Triomphe n'est pas forcément une folie, sur le papier en tout cas. Bon, c'est vrai que vous le rappeliez, 150 ans aujourd'hui au Sablonnais, et des chevaux qui sortent, qu'on continue de voir. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est un encouragement, on ne peut plus puissant, parce que c'est pas toujours facile économiquement de garder cette activité. Et là, avec des moments, cette intensité, c'est le meilleur stimulant. Bien sûr. Et bah bravo Antoine. Merci. Et puis bah, on continue à suivre Spirit avec plaisir. Merci. À très bientôt. Merci.